Les maisons construites sur la route Lubumbashi doivent répondre aux normes de la ville. C'est la recommandation du maire de la ville de Kasumbalesa au service de l'habitat. C'est aussi également le motif de la descente sur terrain pour convoquer le concerné. C'est par rapport à la beauté de la nouvelle ville de Kasumbalesa. Nous sommes ici, nous devons étudier et contrôler quelques paramètres qui vont répondre aux normes d'une ville en partie de la construction. Si auparavant on construisait parce qu'on est dans une cité, dans une commune, aujourd'hui nous devons construire type ville. Voilà, le service de l'habitat va accompagner l'idée de monsieur le maire André Kapampa en construisant conformément au milieu, oui, conformément au milieu, à la nouvelle statue de notre ancienne commune de Kasumbalesa. Quand tu n'es pas conforme et la loi a prévu quelques sanctions, et vous pouvez signer même un partenariat avec quelques investisseurs pour améliorer. Est-ce que monsieur le journaliste, vous pouvez arriver au niveau de la post-ville, vous construisez une bicoque là-bas? C'est impossible. C'est pour cela que nous devons dire que faisons un effort, contribuons aussi. Si l'administration, si les gouvernements, si le gouvernement provincial, ils ont contribué à nous donner une nouvelle statue de la ville, nous aussi nous devons aussi soutenir l'idée et le projet du gouvernement et le projet de monsieur le maire de la ville pour rendre cette Kasumbalesa. Ici, il est noté que la population doit se conformer au style de construction d'une ville selon les normes de l'habitat.